Salut à tous, bienvenue dans la nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer donc le test du neck que Pierre-Eli m'a envoyé. Donc vous l'avez là. Donc superbe couteau, je suis vraiment content. Et son nom, ce sera l'Indomptable. Si vous voulez le trouver, vous avez juste à cliquer ici. Il y aura la bannière pour emmener sur son site directement. En tout cas, je le remercie et puis maintenant, on va essayer ça. Donc on va parler un peu de la bête. Alors la bête s'intitule l'Indomptable. Le nom de ce couteau par rapport au nom de ma chaîne, et puis j'ai vu avec Pierre-Eli, ça lui convenait. Donc vous pourrez le retrouver sur son site prochainement. Alors niveau taille, épaisseur et tout ça, donc on est sur un couteau qui va peser 80 grammes. Donc juste le couteau là va peser 80 grammes. Avec l'étui, il va peser 110 grammes. Donc c'est vraiment que dalle. Sachant que l'étui, j'ai compté la paracorde. Donc ça pèse vraiment rien. L'étui donc pèse 30 grammes. On est sur un couteau à émouture scandinave pour rentrer vraiment facilement dans le bois et dans d'ailleurs toute autre matière, avec 3 mm d'épaisseur de lame, des plaquettes en ronces de noyer, un bois absolument magnifique, des veinures splendides, deux rivets et un rivet creux ici pour un passant dragon. Niveau taille standard, on a une lame qui fait 7,6 cm de long pour ses dimensions. Donc de là à la pointe à la garde. Ensuite le manche 9,5 de là jusqu'au cul. Une largeur de lame ici de 2,3 cm. Et un tranchant donc environ de la même taille que la lame, donc 7,5 cm quoi. C'est vraiment un couteau vraiment magnifique. On retrouve ici les dentures pour l'accroche du doigt. Pas les dentures classiques comme sur beaucoup de couteaux qui sont bien souvent trop grosses. Là c'est vraiment des dentures très 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 fines, de façon à avoir une accroche vraiment maximum. Donc on est bien sûr ici sur un couteau de type plate semelle, donc on peut voir là la lame est complète dans le manche pour beaucoup plus de résistance. Et maintenant on va voir la rétention de l'étui et son port. Donc on est sur un couteau de type neck. Donc un neck, c'est un couteau qui va se porter souvent autour du cou, un couteau de petite taille disons, pour permettre un port léger et qui ne se voit pas. Donc moi je porte quasi qu'autour du cou, donc on peut le voir ici. Voilà, il n'est pas du tout encombrant, vraiment l'étui est super léger. Bon, vous avez toujours la possibilité ici de mettre des molocs pour y mettre à la ceinture, mais moi c'est pas du tout mon intérêt. Alors l'étui, on retrouve ici un petit trou pour permettre l'évacuation de l'eau dans le cas où vous le porteriez dans l'autre sens. Et par contre donc niveau rétention, c'est vraiment super. Il n'y a aucun jeu, ça bouge vraiment pas. Et Pierre-Eli a la bonne idée en fait de mouler dans ses étuis neck des encoches pour pouvoir l'ouvrir beaucoup plus facilement. Donc là, comme on peut entendre, hein, l'ABS classique, voilà, ça bouge pas, c'est vraiment vraiment un travail bien fait. Les finitions sont superbes, simple, mais c'est tout ce qu'on demande à un port comme celui-ci. Voilà, donc après vous vous retrouvez comme ça, hop, et c'est inaperçu.
On va voir maintenant le classique test de la tomate, puisque je trouve qu'en complément du rasage des bras qui était vraiment impressionnant, je trouve que c'est pas mal de remontrer. Ah, vraiment vraiment facile. On peut reprendre dans l'autre sens si on veut. Vraiment facile. Par contre, quand vous attaquez des aliments comme la tomate, sachant que c'est un ACO2 au carbone, il vaut mieux l'essuyer assez rapidement parce que l'acidité va vite faire rouiller votre lame. Maintenant, on va voir ce que ça donne pour du bâtonnage à plat. Le couteau étant un couteau type plat de semelle, comme on l'a déjà vu, la semelle traversant et arrivant jusque là, on va pouvoir bâtonner par le cul sans risquer de trop endommager les plaquettes en bois. Bon, faut quand même y aller mollo parce qu'il n'y a rien de régulier. Mais on va pouvoir exécuter ça, donc juste après le bâtonnage à plat, qui comme vous avez pu le voir, c'est très très bien passé, on va voir le bâtonnage par le cul. Bon voilà, sans aucune difficulté, on a traversé le morceau de bois. Comme quoi, même avec un EC, on n'a pas de difficulté pour ce genre de travaux. Après avoir vu les différents bâtonnages, donc on a vu le bâtonnage à plat et le bâtonnage de refente,
On va passer aux coupes fines parce que un neck c'est quand même dédié plus à des coupes style cuisine ou dans le bois, on va dire feather stick, choses comme ça. Couteau qui va se rendre utile en fait tout le temps. Personnellement, moi je le porte tous les jours. Avant j'avais le Easy Isula pour ceux qui connaissent. Et franchement, je m'en sers tout le temps pour couper du carton, n'importe quoi. Quand vous recevez un colis, détacher le scotch, pour manger, je m'en sers pour manger également. Enfin, bref, un couteau à tout faire. Donc il va plus se spécialiser petites tâches. Mais enfin, ça n'empêche que tout à l'heure, il a montré de quoi il était capable sur des tâches un peu plus importantes, sachant qu'en bivouac, à part en hiver comme un peu en ce moment, sinon on a rarement de faire beaucoup de bois. Donc il sera largement suffisant, couplé avec une hache, une scie, peu importe. On aura largement de quoi faire avec ce couteau. Par contre, comme vous avez pu le voir, après on est vite limité parce que ben, 3 mm c'est vraiment bien, mais par contre la lame elle n'excédera pas 10 cm, donc on va vite être limité. Mais enfin bon, si vraiment on aurait à faire du bâtonnage à plat ou quoi, c'est pas un couteau que je choisirais, ce serait mon Gouillard ou alors une hache. Et voilà, donc là c'est vraiment pur plaisir, pur délire. Bien, bah maintenant on va passer donc aux coupes fines comme je vous l'ai dit. Et puis là on va voir que le couteau excelle. Bien, maintenant on va voir les feather sticks. Très vite on arrive à un résultat vraiment impressionnant. Les moutures scandinaves n'y est pas pour rien, mais l'aiguisage au backstand et le savoir-faire de Pirelli, franchement chapeau, c'est vraiment le premier couteau que j'ai qui coupe à ce point là. Donc on est sur un couteau qui possède là des arêtes extrêmement saillantes. Du coup on va pouvoir aisément gratter le Fire Steel à la place donc du gratte-gratte fourni avec. Bon, comme d'habitude, faut faire attention parce qu'après on risque d'endommager la lame. Mais ça devrait se faire sans trop de problèmes.
Donc maintenant on va voir comme d'hab la coupe inversée, la coupe donc quand on a le poignet courbé comme ça, donc soit vous placez le doigt sur la lame comme ceci, là. Très confortable. L'avantage c'est que les moutures Scandi c'est magnifique pour rentrer dans le bois. Donc on est vraiment vraiment à l'aise. Après vous l'avez donc à pleine main. Donc au lieu d'avoir le doigt ici sur la lame, vous êtes complet comme ça fermé. Ça va être vraiment pratique pour toutes sortes de coupes. Donc là on arrive assez rapidement à faire des pointes, sachant qu'on est dans un morceau de frêne bien bien sec. Donc c'est là qu'on voit que même les petits couteaux peuvent être efficaces sur beaucoup beaucoup de tâches. Parce que là donc en très peu de temps, on arrive à vraiment des résultats très très fins. On va pouvoir faire similairement les mêmes travaux avec une prise forte pour par exemple écorcer. Ce sera vraiment très facile d'exécuter des tâches comme celle-ci. Comme on peut le voir ici, le couteau est vraiment aiguisé proprement sur toute sa longueur. Donc on est capable, même avec la pointe, de faire de très très fins copeaux. Ça rentre dans le bois, c'est assez impressionnant. Que ce soit n'importe où sur la lame, on va vraiment être à l'aise pour travailler. Malgré la taille du couteau, on va pouvoir venir ici couper avec un appui sur le genou. Alors on va pas pouvoir couper du très gros et il va falloir tenir la lame vraiment là en bout de manche. Mais ça devrait être possible. Alors bon, certes pas aussi bien qu'avec un couteau de camp, mais c'est comblé ce manque par le tranchant exceptionnel. Les 3 mm sont du coup suffisants pour un appui sur le genou. Bien que quand même, à force, ça va être douloureux. C'est pas une coupe que je choisirais spécialement avec ce couteau. Mais enfin, on est capable de faire vraiment un gros gros boulot quand même. On va pouvoir venir ici faire des coupes vraiment aussi très classe, très petites, faire vraiment des fins copeaux. Splendide. Donc on va pouvoir venir ici bâtonner sans chercher à faire de la découpe en angle, c'est-à-dire faire du bâtonnage direct pour couper en deux une petite branche. Voilà. Et ceci assez facilement. Maintenant on va voir ce que ça donne avec une coupe puissante, donc à pleine main.
Bon, on a une bonne prise en main. Le manche est vraiment super ergonomique. Il est fin aussi. Je veux dire, il y a vraiment quand même pas beaucoup. Du coup, ça fait qu'on a une super prise en main. Même moi qui ai quand même d'assez grosses mains, il se retrouve à être vraiment... Bon, bah, je suis limite, hein, bien sûr, mais c'est un deck. Mais vraiment une très très bonne prise en main. On va pouvoir venir ici faire des coupes de très grande précision avec le pouce. Donc comme d'habitude, pour faire des copeaux, pour faire peut-être de la sculpture, pour ceux qui aiment la sculpture. On rentre vraiment très facilement dans le bois, comme je le disais déjà précédemment avec toutes les parties du couteau. Et avec cette prise en main avec le pouce, on peut vraiment faire de très 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 belles choses, sans aucun souci, c'est vraiment impressionnant. Merci Pierre-Élie et merci les artisans pour la qualité de travail qui a quand même rien à voir. Bien, maintenant on va passer à la perte de motricité fine. Alors là on est au bord du ruisseau et l'eau elle est encore bien bien froide, sachant que le lac au-dessus il est complètement gelé. Et bah moi je vais mettre les mains là-bas dedans et quand ça, je sentirai plus mes doigts, et ben bah, on passera à des petits feather sticks sur un morceau de string. C'est un truc de fou, ça fait trop mal. Bon, ça fait vraiment mal aux mains, maintenant on va passer au bâton. Bien, donc maintenant que j'ai les mains bien trempées et bien gelées, on va faire un peu des feather sticks. Bon, aucun problème là-dessus, comme d'habitude, le couteau rentre parfaitement dans le bois, du coup même les mains engourdies, il permet de s'en servir très très facilement. Et le manche donc mouillé, pareil, ça bouge pas. Bah, l'avantage du bois en fait, c'est que quand c'est mouillé, c'est un peu comme vos manches de hache ou quoi, ça a tendance à bien accrocher, et après en séchant c'est encore mieux. Donc voilà, là pas de problème, ça a pas glissé. Bon, c'est sûr, hein, c'est pas des matières synthétiques ou quoi, mais franchement, on l'a bien en main, ça glisse pas du tout. C'est vraiment... on peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. Et là, je suis en prise en force, et le couteau bouge pas dans la main. Vraiment au top.
comme avec tous les autres couteaux que j'ai, on va pouvoir venir ici se servir de la pointe qui est vraiment aiguë quand même pour venir faire l'amorce du trou pour le feu par friction. Voilà, bon, super facilement, on aura le trou qu'on veut pour faire l'amorce, voilà. Et la pointe pourra servir à diverses choses, mais je dirais que là, ce serait son utilité principale. Sinon, à piquer la viande ou des choses comme ça, mais en tout cas, une chose est sûre, moi je trouve que c'est utile une pointe sur un couteau. Et puis, niveau esthétique, ça en jette quand même. Bon, donc ce test touche à sa fin. Maintenant, je vais vous parler un peu de mes impressions. Donc tout d'abord, je tiens encore à remercier Pierre et Ellie parce que c'est un travail vraiment magnifique. J'ai fait plusieurs vidéos sur les couteaux, sur des outils, et j'ai vraiment une grande affection pour l'artisanat. Je pense comme beaucoup d'entre vous, mais moi je suis un peu touché parce que je travaille en mécanique. Et ce serait vraiment cool si je pouvais me mettre à mon compte, enfin voilà. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que donc l'artisanat, c'est des choses qui sont faites, c'est du sur-mesure. Les finitions sont travaillées à la pièce, donc c'est incomparable, je veux dire, c'est pas une machine, quoi. Bon, certes, ça met plus de temps, mais par contre, quand on voit le résultat, c'est magnifique. Utilité d'un tel couteau, l'utilité d'un tel couteau, c'est de l'avoir tous les jours, parce que moi avant j'avais le Easy Isula, pour ceux qui connaissent, Essie, ou je sais pas comment vous voulez dire, moi je dis Easy, le Easy Isula, et c'est un couteau qui me suit tout le temps, en fait je m'en sers au boulot, je m'en sers à la maison pour manger, je m'en sers constamment. Bon, le port est interdit, alors faites attention, c'est à vos risques et périls, moi je l'ai tous les jours sur moi, c'est clair, c'est pas, je me considère pas comme un brigand, quoi. Maintenant, que dire de plus, le gabarit est vraiment parfait parce que on fait ce qu'on veut. Pour manger, quand on le pose à table, ça choque pas les convives. Le port est très facile, on le sent pas autour du cou une fois qu'il y est. Le Easy Isula était beaucoup plus lourd. Je me rappelle que les plaquettes en G10 que j'avais mis dessus, elles faisaient vraiment énorme en poids. Voilà, à part ça, je vais vous remettre le lien dans la description pour la boutique de Pierre Ellie, The Outdoor Way. Allez faire un tour, regardez ses créations, allez voir l'Indomptable, vu que c'est le nom de ce couteau. Et surtout, discutez avec lui si vous avez des préférences ou quoi. Il est ouvert à plein de choses et il sera tout à fait apte à vous faire un dessin d'un croquis de quelque chose que vous lui demandez. Faites travailler les artisans français parce que c'est important. Et puis voilà, que dire de plus, merci PE, et puis j'espère que la vidéo vous aura plu, et à ciao, bye bye.